Après cette intro complète, bonjour à tous et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Fonto et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3, objectif 10 millions. Alors tout simplement cet épisode 3, après il y aura une petite pause de l'objectif 10 millions. Alors tout simplement suite à cet épisode, il y aura une petite pause pour pas que vous fassiez une overdose. Oula, les gens sont bizarres ici. Oh non, mais il m'a mis un invisible. Bon, écoutez, désolé, je suis invisible, on m'a mis invisible. Bon, écoutez, c'est pas grave. Voilà, je vais remettre mon stuff pour que vous puissiez me voir. Et du coup, aujourd'hui, on va farmer les verrues du Nether. Et c'est vraiment rentable. Il suffit tout simplement de faire BS prix et on pourra voir le prix des verrues du Nether. Mais c'est pas tout. On voit tout simplement que les verrues, c'est 25 unités. Mais nous, on va faire les blocs de verrues à 131 unités. Et là, vous pouvez voir que le DC nous rapportera 800 000. Monnaie. Donc en gros, cet épisode, on va faire 2 DC de blocs de verrues, donc un total de 16 doubles coffres de verrues. Mais attention, j'ai une petite astuce pour aller beaucoup plus vite. Regardez-moi ce champ, il est juste monstrueux. Donc du coup, pour aller plus vite, on va utiliser une pioche. Mais attention, pas celle-là. Alors tout simplement, celle-là, elle est touchée de soi, donc c'est pas vraiment intéressant. Mais on va utiliser une pioche légendaire. Et là, regardez, fortune 5. Du coup, ça va nous en donner vraiment énormément. Alors, tout simplement, je viens de faire le calcul. Et en gros, pour avoir 16 doubles coffres de verrues, il faut que dans ce coffre infini, il faut qu'on ait 55 000 verrues. Juste monstrueux. Alors, en gros, le calcul est assez simple. Il faut faire 64 x 54 x 16. Donc, du coup, j'en ai beaucoup. Je vais devoir farmer vraiment des heures et des heures, là, je pense. Je suis parti pour pas mal de temps. D'ailleurs, j'ai plus de bouffe. Mais en gros, écoutez, je vais vous faire des plans stylés. Après, on verra un autre truc. Parce que, du coup, on m'a dit tout simplement qu'il fallait que mes vidéos soient un peu plus longues. Parce que, voilà. C'est vrai que 6 minutes c'est assez court. Donc cet épisode je vais faire pas mal d'autres trucs que juste farmer les verrues du Nether. Vous allez voir ça un peu plus tard dans la vidéo. A tout de suite. Juste avant de continuer la vidéo, il faut savoir que le staff m'a rajouté une commande suite à ma demande, donc vraiment je les remercie. Alors c'est tout simplement le slash. Alors la commande c'est celle-ci, slash paytimeday. Et tout simplement ça permet tout simplement de mettre le jour. Donc en gros avec les shaders et avec le replay mode ça va vraiment très bien. Sinon la nuit et les shaders ça va pas très bien ensemble. Donc voilà, donc vraiment merci à eux, n'hésitez pas à les remercier dans les commentaires car c'est grâce à eux que je peux faire vraiment des plans vraiment stylés. Attention, c'est parti. Comme vous voyez le champ juste derrière moi, ça pousse relativement rapidement, mais on va un peu attendre que ça repousse et je vais vous montrer une astuce pour se faire pas mal d'argent. Alors tout simplement il faut se rendre au spawn. Tout simplement arrivé au spawn, vous allez suivre le jump. Alors si vous n'avez pas le fly, vous devrez faire le jump, il est vraiment facile, en vrai vous pouvez vraiment le faire, il n'y a rien de compliqué. Voilà, je vous ai montré que le jump était facile. Et en gros, après, il vous a fait un petit panneau. Et en gros, si on regarde ce panneau, il vient de me donner 1000 monnaies. Mais c'est pas tout. Si vous continuez à faire le jump, bon là, je vais pas le faire en jump parce que là, il est vraiment un peu plus long. Mais même, ça reste relativement facile. Oh là là, je suis nul. Qu'est-ce que je suis nul. Bon, tout simplement, si vous continuez le jump tout au long de ce parcours, alors c'est vrai que c'est assez long. Vous arrivez tout simplement au bateau. Et juste ici, vous avez un panneau qui vous donne 3000 monnaies. Donc déjà, on a fait 4000 instantanément. Mais c'est pas tout. Alors, tout simplement, pour la prochaine astuce, il faut faire un slash shop. Ensuite, vous allez dans la tête de squelette, puis l'épée en or. Et en gros, c'est le warp donjon. D'ailleurs, je viens juste de me rendre compte, mais vous pouvez juste faire slash warp donjon. Ça marche aussi. Alors, juste ici, vous avez un autre jump qui est un peu plus compliqué, mais qui vous rapporte beaucoup plus. Ok, c'est bon, j'ai terminé. Et en gros, vous avez un panneau juste ici qui donne beaucoup de monnaie. Regardez, 5000 d'un coup, j'ai quasiment rien fait. Juste un jump tout débile. Mais c'est pas tout. Après, vous allez à gauche, à droite.
Vous suivez le chemin encore à droite. Juste ici, vous avez un autre jump. Tac. Ensuite, il faut aller à la seconde poutre. Et ensuite, il faut jump là-bas. Ok. Ensuite, là. Puis là. Voilà. Enfin. Alors, si jamais vous n'y arrivez pas, vous pouvez passer par l'eau en dessous. Bon, tout simplement, j'ai le fly. En vrai, j'y arriverai jamais à ce jump. Alors, tout simplement, vous pouvez descendre ici. Hop, voilà, hop, vous montez ici. Ensuite, vous remontez tout ce courant d'eau qui est un peu long quand même. Et vous arrivez ici. Ensuite, arrivé ici, vous allez là. Voilà, vous allez tout droit. Ensuite, vous faites ce petit jump. Voilà. Et ensuite, vous passez le pont. On va un peu plus vite quand même. On court-circuit. Et ensuite, vous avez un panneau. Et là, les mecs, ils donnent énormément. Regardez. 20 000 comme ça d'un coup. Donc là, en gros, en 5 minutes, même pas en vrai, en 3 minutes. Donc écoutez, juste ici, en 2 minutes, on s'est fait 25 000 monnaies. C'est juste énorme. En plus, vous pouvez farmer un peu des sauts si vous voulez. Voilà, tout simplement. Et écoutez, on va arrêter les conneries et on va se remettre tout de suite au farm des verrues parce qu'il en faut énormément. Alors, j'ai déjà pas mal avancé, mais il m'en manque encore pas mal. Ok, c'est bon. On a atteint les 57 000 verrues, ce qui est juste énorme. Maintenant, il faut plus que les craft en bloc. Et écoutez, pour ce troisième épisode, on a atteint les 4,2 millions. Donc, écoutez, en vrai, je suis content. On a beaucoup d'avance. En fait, je pensais qu'on avait du retard. Mais en fait, tellement pas, on pourra atteindre les 10 millions en peut-être 6 à 7 épisodes, on pourra peut-être atteindre les 10 millions. Donc écoutez les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que je pourrais farm pour les prochains épisodes qui soient vraiment rentables. Bien évidemment, si vous avez vu ma monnaie, j'ai beaucoup plus, car comme on peut voir le double FC est on, du coup on a tout vendu. Et écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce rouge ou un pouce bleu en bas de cette vidéo, à mettre un commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et ça sera pas objectif 10 millions. Ciao tout le monde, à plus. Ciao, ciao.